Hello les amis, nous sommes de retour dans Dragon Ball Z Kakarot et nous en sommes au niveau où Sangohan va à l'école, donc au tout début de l'arc Boubou. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Alors Sangohan, il a donc gardé son niveau 60, donc quoi, comme quoi pendant ces 7 années il s'est pas entraîné du tout. On dirait que c'est un nouvel endroit, ouais, c'est la ville de Satan. Ouais. Alors, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau là-dedans. Impossible d'aller sur la carte du monde. Ok. Alors j'aimerais bien aussi voir une médaille. Ça c'est quoi une médaille tout simplement? J'aimerais quand même faire, comme dit, j'aimerais bien faire les points de la communauté, parce que j'ai nouveau quelques badges. On en avait gagné, mais je les ai pas traités du fait qu'on avait pas mal de choses faites de nouveau la dernière session, et là on a le temps de le faire. Donc celui-là il est carrément en badge or, il y a 3 étoiles. Donc 3, bon on en a 6. Alors, je sais pas la différence, pourquoi ils ont des étoiles, certains et d'autres pas. Apparemment, il m'en manque pas mal en tout cas, hein, des badges. Alors, ça c'est qui? C'est Apple. Il s'appelle Apple. Normalement, c'est un guerrier, mais t'as besoin d'entraînement, mon gars. Alors, je vais te placer là. Je vais en placer 2 là-dessus dans l'entraînement. Voilà. Et encore un. Qui va être. Est-ce que Shiro? Non, on va mettre. On va mettre le kiwi. Ah ouais, c'est de là. Tu peux parler. En fait, liste des bonus suivants à t'activer. Humble loyauté. Effectivement, c'est les en les assemble bien ensemble, il y a des fois des trucs qui marchent bien, mais bon. J'ai pas envie de trop chercher non plus. Elle fait aussi partie des freezers, mais bon. Le père de Chichi, on peut. Communauté. Le père de Chichi, on va le mettre avec sa fille. À un moment, tu vas apprendre à cuisiner, mon gars. Il est où, Chichi? Ah, elle est là, Chichi. Attends. Hop. Gohan-chan, d'aijoubu dabe ka? Ouais, bah, il va bien. Omei no koto mo shinpai dabe. Ok, alors lui il est normalement avec Yamcha, la fille elle est normalement avec Tenshinhan, etc., etc. Ah mais c'est parce que la fille je l'ai mis là, en fait c'est celle-là. Elle était mise avec là. Ah j'arrive pas à placer. Toi, tu vas là. Je sais même plus qui tu es. Et je veux que toi tu sois là. Dragon Ball ou Sagashi ni ikuzo. Ok, alors lui il va là. Et Raditz, j'aimerais bien l'enlever. J'aimerais bien le mettre avec Nappa si je savais où il était. Nappa est ici. Maintenant, si on prenait lui. Le rabattait aussi avec les autres. Ah ouais, mais là on a tout un changement. Oh. Non, je vais laisser ça comme ça. Je vais les laisser comme ils sont. Ça fait trop de changements. J'ai pas envie de tout changer. Ça c'est le commando. Alors je vais te la donner la bonne new dans le commando. Peut-être que lui, je vais placer plutôt là. Alors, je vais vous donner la bonne you. Alors, un commando, je pense qu'il faut l'avoir complet. Il manque un. Il manque le Ginyu, en fait, tout simplement. Tout simplement, le Ginyu, il manque. Ensuite, il nous reste quoi? On a le petit sel et Chiron. Alors, le petit sel,
c'est qui n'a pas de truc. Allez, petit sel, tu vas te mettre au travail là-dedans. Ouais, mais je fais pas de construction, en fait, c'est un peu limite, on s'en fout. Allez, hop, je vais te mettre. Je sais pas si j'avais envie de te mettre là, quoi. Allez, je vais te mettre là. Et hop, il me reste Chiron. Tu vois, tu vas dans la communauté des dieux. C'est ça, la communauté des dieux. Toi, je te place ici. Voilà, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Bien sûr, on peut changer plein de choses pour que ça devienne super intéressant. Parce que normalement, Piccolo, il doit être proche de Son Gohan, mais il peut pas là où il est, d'accord. En fait, ça met Piccolo là. Et... ah ouais, mais ça enlève Son Gohan à Son Goku. Sauf si je fais ça. Là. Ah, ça donnerait à Vegeta et son fils. Ok. Lui, il devrait être Tenshinhan. Je ne sais pas si je l'ai. Et tout puissant, il est vraiment mal placé. Ça, c'est pas sûr. Mais bon, hein. Hop. ウソつきは地獄に送っちゃおうかな。神が嘘をつくはずありませんぞ。ミスターポポ、神様のために働く。いつもすまんな、ミスターポポ。 Bon, si on les place correctement, on gagne plus de trucs. Hein, mais bon, ça prend du temps à tout pour placer. Quoi. Alors pour l'instant, lui, il va aller là. Ouais, si on les replace entre eux, ça prend un temps fou, quoi. Lui, il est censé aller avec Kaio, mais bon. C'est où que je l'ai enlevé, je sais même plus. Bon, en tout cas, les Namek, on dirait qu'ils s'assemblent pas du tout entre eux. Si je mettais les Namek là-dessus... ouais, mais... c'est plus construction. Je le fais pas parce que je veux pas de construction, on s'en fout. On va déplacer les Namek plutôt ici. Ah, c'est Dende ça? Et s'il lâche pas Chiron d'un côté, qu'est-ce que ça fait? Bon, on peut pas lier Chiron, ok. Ouais, c'est embêtant de changer. Onushi mo Goku tachi o minarae. Aitsura to kuraberarete mo yo. Bla 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 bla.
Mais j'ai pas Yamcha et tout ça, c'est bizarre. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Pas trop à changer là. Pour l'instant, je laisse comme ça. Ils sont tous placés au moins ou j'en ai nouveau un qui est. Bon, pour l'instant, je reste comme ça. On les redéplacera une prochaine fois. Sinon, ça prend un temps d'arrêt, quoi. Allez, à l'école, ça me dit. Hi. Salut. Pénuしてきた, Gohan-kun. け?私、イレーザ、よろしくね。ついでに、こっちの子はビーデル。驚くわよ。ビーデルのパパは、なんと、あのミスター・サタンなの。え?ミスター・サタン? そうだ。あなた、今日遅刻してきたわよね。銀行強盗騒ぎ見てない?銀色の選手が強盗を乗せちゃったんだけど。そうなんだ。でも、どうして銀行強盗なんか気にしてるんです? リーデルの趣味は正義の味方なのよ。ほら、やっぱり世界を救ったミスター・サタンの娘だし。この子強いからよく警察に頼まれたりすんのよ。そうなんですか。あなた、金色の選手と背格好がそっくりね。 正体がバレないような工夫が必要だな。ブルマさんに相談してみようかな。<笑>相手を見て言えよ。そいつが強盗を倒せそうな柄か。<笑>この後ベースボールの授業だろ? そいつが強盗を乗っちまうような奴か、すぐにわかるさ。もっとも俺の弾を撃てやしないだろうがな。はぁ。はぁ。適当にうまく手を抜かなきゃ。母さんやブルマさんたちも、僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言ってたから。難しいな、世の中って。 俺の剛速球で脅してやるか。やりすぎないようにしなきゃ。
Oh non, il faut que je le fasse. Oh zut. Ce jeu mettra les compétences de batteur à l'épreuve. Utilise B pour frapper la balle au bon moment et l'envoyer voler. Puis, plus tu es précis, plus la balle ira loin. Chaque lanceur a un style différent, mais ne te laisse pas avoir par la trajectoire de la balle. Ce qui compte le plus, c'est le moment où tu donnes ton coup de batte. Ah là là. おい、お前、俺の弾を。まぐれですよ、まぐれ。そうだよね。構えも素人だったしね。あれでもやりすぎだったか？後で早速、ブルマさんのところに相談に行こう。怪しい。Nouvelle rencontre.ブルマさんに相談しなきゃ。ブルマさん、相談に乗ってくれるかな。やっ、やっ、これは、やっ、いいもの見つけちゃった。non, on peut pas. Avant d'aller voir Bulma. Non, on peut pas. On est obligé de continuer. Oui.こんにちは、ブルマさん。ちょっと相談があるんですが。あら、ごはんくん、相談って何？正体がバレないように完全な変身をね。何かいい方法ありませんか？あるわよ。私天才だもん。本当ですか？ぜひお願いしたいんですが。いいわよ。少し時間がかかるから待ってて。すいません、どうもありがとうございます。トランクス君はどこですか？じっと待ってるのも退屈ですから。多分重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。トランクスをゴハン君より強くしたいらしいわ。へえ、怖いですね、それは。OK。Petit trunk, où est-ce? 重力室か。どこだったかな。え、mais, à ça, non, ça, non. Ah oui, mais c'est là dehors, à ça. Gohan さん、いつ来たの？ Sans Gohan, tu es là depuis quand? さっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだって？一撃食らわせられたら遊園地に連れて行ってもらえるんだ。あのベジータさんが。じゃ、頑張らないとね。絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ。久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくか。
こんにちは。お邪魔してます。ああ。体がなまってるぞ。いくら平和だからといっても訓練はしておけ。は、はい。そういえば、トランクス君に修行をつけているそうですね。ああ、そろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな。貴様もうかうかしていたらすぐに追い越されるぞ。あ、そうだ、トランクス君、遊園地に行けるように頑張るって言ってましたよ。ふん、この俺に一撃でも当てられたらだ。まあ当分は無理だろうがな。Ah ok, ouais, j'ai vu le bas de nouveau. Alors c'est mon sens ? Non, forcément, je crois que c'est l'autre sens. ちょうどいいところに来たわね。完成したわよ。いいな。僕にも作ってよ。わあ、いい、すっごくいいですよ。でしょ。ありがとうございます、ブルマさん。早速使わせてもらいます。僕やっぱりいらない。じゃあ学校行ってきます。一晩中変身ばっかして、よっぽど気に入ったみてえだな。飛行機に気をつけるだぞ。はい。お兄ちゃん行ってらっしゃい。やっぱりかっこいいな。ふふん、そうだろう。この悟空にそっくりなご飯の弟の名は悟天。悟空があのセルとの戦いの前に残していった二人目の子供である。グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られても平気だし、やっぱり便利だな。ついでにパトロールをしていこうかな。Ok. Ah, mais toujours pas avoir la cardio, dis donc. Allez. Ah, on y va. C'est ça. Là, là, là. C'est ça. C'est ça. C'est ça.飛んでいくと楽だな。大したことなさそうだな。街は平和かな。ん？なんだ？また強盗か？まだやる気なの？当たり前だ！ここからが本番だぞ！うっ！
驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ、まだやるんでしょ。くそー、ちな、な、なんだてめえは。私は、悪は絶対許せない、正義の味方。グレートサイヤマンだ。あっちへ決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。か、かっこ悪い。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる。やっぱり。こんなみっともないやつに捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう、蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。こいつたちどうしましょう。ビーデルさんが警察に連れて行っていただけますか。ここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだねあんた。で、正体は秘密なわけ。ええ、まあそうです。でも孫悟飯君、授業に遅れちゃうけどいいの？Mais tu veux vraiment continuer comme ça sans moi? Tu vas finir par être en retard? そうなんですよ。だから早く行かないと。Tu te veux avoir? やっぱり。え？やっぱりあんたの正体は孫悟飯君だったのね。しまった。なんでわかったのですか。こんな完璧な変装をしてるのに。声よ。それと喋り方。私の名前も知ってたし。いやいや。そんな。なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないって。だから。あの、このことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ。え、天下一武道会知らないの？格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？そのいろいろ鋭いな。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや、僕は
遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。え、そんなのいいじゃないの。グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。ああ、わかりました。出場しますよ。やった決まり。みんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな、おかしなことになっちゃった。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ねえ、今度空の飛び方、私に教えてよね。あんただけ飛べるってのはずるいわ。あ、いいですよ。それじゃ、私は先に教室に行くわね。しかし、こんなにあっさり変装がバレちゃうなんてな。それに、天下一武道会、どうしよう。学校が終わったら、ブルマさんに相談してみよう。天下一武道会か。確かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよな。でもヘルメットがないと正体がバレちゃうし。ブルマさんのところ行ってみるか。ああ、いやいや、お、あ、すっごいパワーだ。Alors, voyons voir où elles sont. Les tortues géniales. こんなところで釣りしたら楽しそうだな。Ya. Eh, San Gohan, ça fait un bout de temps que je ne t'avais pas vu. Tu as l'air d'être en bonne forme. Konnichiwa. Dis, monsieur, tu es un ami de mon papa ? Waouh, regarde-moi ça, comme tu as grandi, marron. Eh, monsieur, regarde ça. Marron t'a fièrement exhibé une pierre toute ronde. Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est mon trésor. Vraiment, cette pierre est ton trésor ? Désolé, Sangwan, c'est juste une enfant, ne te sens pas obligé de lui prêter attention. Oh, mais je trouve que c'est plutôt mignon en fait. Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas, Marron ? Le poisson m'a volé ma pierre. Oh non, le méchant poisson t'a volé ta pierre. C'est trop dommage. Il faut que je la rapporte. Oui. Eh, marron. Attends. Quoi, je ne peux pas l'atteindre ? Non, l'océan est trop profond à cet endroit. Non. Eh, Sangwan, tu crois que tu pourrais m'aider ? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, marron. Je vais reprendre ta pierre à ce gros méchant poisson. Vraiment ? Tu peux faire ça, monsieur ? Bien sûr, je vais juste attraper le poisson qui t'a pris ta pierre. Waouh, ça va être génial. Très bien, c'est parti. Une gentille petite fille.
Alors, faut que je pêche de nouveau. Il pêche comment cette fois-ci? Ah, il sort toujours sa queue. Ok. やれそうだな。 Poisson bleu, je me rappelle pas avoir pêché déjà du poisson bleu, mais bon, on va le faire. Combien de temps ça prend, c'est à voir. Il est bleu, hein. Il est immense. Merci monsieur. Fais bien attention à ne pas le reperdre, d'accord? Regarde marron ta pierre. Youpi. Hey, cette pierre ressemble exactement à la tête de papa sur cette vieille photo. Il y a 6 points similaires à ceux qui sont sur la tête de Krina sur cette pierre, comme à l'époque. Quoi, ma tête? Et c'est vrai maintenant que tu lui dis, ça lui ressemble trait pour trait. Waouh, vraiment, toi aussi, Sangon? Je vais bien m'occuper de cette pierre, elle ressemble à papa. Ah, c'est un peu gênant. Tu m'as raconté que tu cherchais des pierres avant toi aussi, pas vrai, papa? Ah ouais, cette histoire, hein? De quoi est-ce qu'elle parle? Elle parle de l'époque où Sangoku et moi, on s'entraînait sous les ordres de Tortue Géniale quand nous étions enfants. Une partie de l'entraînement consistait à retrouver des pierres dans les montagnes. Je t'ai déjà parlé de ça, n'est-ce pas, Marron? Ouais, on dirait que papa s'est bien amusé. Moi aussi, je voulais chercher une pierre et j'ai fini par trouver celle-là. Ah, c'est donc pour ça que tu as ramassé cette pierre. Eh bien, fais attention à ne pas la perdre, d'accord? D'accord, je la perdrai pas. Eh, mais tu sais, si tu la perds, ton papa t'aidera à la retrouver. Hourra! Ok, on a fini ça. Ouais, on a un parasol qui est foncé là derrière. Il est foncé! So, on a une autre quête secondaire, on va la faire aussi. Il n'y a rien d'autre de spécial, on va juste voir l'entraînement aussi. Ouais. Il y a peut-être quelque chose dans l'entraînement maintenant. Mais d'abord la quête secondaire. Pourquoi il y aurait deux quêtes secondaires ici? Il y en a deux en même temps? Ah d'accord. Il y en a deux. Otto-san ga inai ima. Boku ga kono ie o mamotte ikanaito na. Hello Sangoten. Salut Sangoten, comment vas-tu? Ne. Allez Sangohan, allons nous amuser, j'en ai assez d'étudier sans arrêt. Ça te dirait de t'amuser un peu? Dameda. Sangoten. Wawa. Ah. Eh? Il y a un problème, maman? Sangoten ne fait pas ses devoirs. C'est tout. J'ai cru que c'était quelque chose de grave. Nashkeda. Mais c'est grave, Sangohan. Tu le laisses tomber tes études. Du coup, Sangoten fait pareil. Eh? Quoi? Soupir, tu ne changeras jamais. Bref. Si tu ne travailles pas sérieusement, tu n'as aucune chance de devenir un érudit respecté. Waouh, tu en baves, Sangohan. Tu peux parler, Sangoten. Maman t'en veut aussi, tu sais. Vous n'avez pas travaillé du tout ces derniers temps. Soupir.
Toi, tu me fais tourner en bourrique. Les économies de papa fondent à vue d'œil. Si seulement vous pouviez comprendre qu'on est dans le pétrin. Je peux te proposer quelque chose, maman. On n'a presque plus de poissons, pas vrai? Je vais attraper de délicieux poissons pour notre repas. Mmh? Tu ferais ça? Ça m'aiderait beaucoup. Né! Je peux t'accompagner, Sangohan? La croissance de Sangoten. Bon, je viens d'en pêcher, il faut que j'en repêche. Bon, j'imagine que tu peux venir. Il va falloir que tu sortes discrètement, sans que maman te voie. Ok. Ok, promis. Mmh? De quoi parlez-vous, les garçons? Ah, oh, je lui expliquerai un truc qu'il n'avait pas compris dans ses devoirs. Ah. Ah. Da? Très bien, sinon j'ai décidé ce que j'aimerais que tu attrapes, voilà. Poisson bleu, ok, mais j'en ai plein. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Ramène-moi un gros, Sangohan. Bye bye. A plus tard. Mais je crois que j'en ai déjà. Ok. Sangohan. Et je vois que tu as réussi à sortir discrètement. Ouais, j'ai attendu que maman commence à préparer le repas. Super, allons-y. Youpi. Bon, c'est un bon endroit ici. Bonne chance, Sangohan. Ok, j'en pêche de nouveau. Hein. Ah, ça fait deux fois la même chose, quoi. Hein. Ils ont pas cherché très loin, quoi, leur truc. En tout cas, il est beau, celui-là. Et en voilà. Ah, un appel de caillou. Je savais pas qu'il pouvait être appelé aussi à la pêche, lui. En tout cas, j'ai pas encore les 20. Il semble. J'ai joué celui-là aussi. Non, c'est un peu gros poisson. Ah bah là, on risque de passer 5 minutes. Hein. Et après, on a encore une quête secondaire. Ah oui, il est bien bleu. Hein. Ok, il ne reste plus qu'à afficher. Du Q1 et c'est fait. Ça c'est gros poisson. C'est gros poisson. Ok, ok, on continue. C'est pas cool. Et avoir le poisson, maman. Et voilà.
devrait aller. Né. Hé, Sangohan, avant de rentrer, j'aimerais faire autre chose. Ah oui, quoi donc? J'aimerais t'affronter, histoire de voir si je peux te battre. Quoi? Ce sera rigolo, hein? On est déjà dehors, de toute façon. Ouais, pour un gamin comme Sangoten, la pêche n'a rien de bien exaltant. Allez, allez, s'il te plaît, allez au combat. Bon, d'accord, mais on garde son calme, compris? Ouais! Hurrah, merci Sangohan. Eh ben, dis donc. Même si je ne suis pas trop dur avec Sangoten, il faut que j'ai encore l'air cool. Prêt ou pas, j'arrive. Piouf, tu es impossible à atteindre, Sangohan. On dirait que tu préfères clairement jouer au lieu d'étudier. Ce côté de toi me rappelle papa. C'est vrai, tu trouves que je ressemble à papa? Génial. On ferait bien de rentrer avant qu'il ne se fasse tard. Et n'oublie pas, maman ne doit pas avoir que tu étais là. D'accord. Salut maman, c'est nous. Sangoten, tu cherches à nous attirer des ennuis? Alors, Sangoten est allé à la pêche avec toi finalement. Soupire, ce gamin. Tu veux dire que tu savais? Évidemment, tu crois que je ne le sais pas quand mon propre fils s'est échappé en douce? Je suis désolé, maman. J'ai réussi à attraper ça. Tu as remis poisson bleu. Plutôt pas mal. Je les prépare tout de suite pour vous deux. Alors, à propos de Sangoten. Tu t'es bien amusé avec ton frère Sangoten? Ouais, on a parlé de plein de trucs. Bien évidemment. Bien, maintenant, tu vas peut-être te concentrer sur tes études. Tu es la meilleure, maman. Sangohan, je compte sur toi pour surveiller Sangoten. Hein? Tu es son grand frère et t'écoute, toi. Je ne sais pas trop. Il te prétend sûrement plus au sérieux. Il te prend loin, ok? Ce petit ressemble beaucoup trop à son père. Quoi que je dise, ils n'ont fait qu'à sa tête. Ouais. C'est pour cette raison que tu vas devenir un grand érudit. Tu seras un exemple pour lui. Je commence à être un peu jaloux de Sangoten maintenant.
Bon, c'est une belle surprise. Allez, vous lavez les mains tous les deux. D'accord. Pouf, je ne peux plus manger une seule bouchée. Il faut que je travaille plus dur si je veux devenir un grand érudit. Allez, on a encore une quête secondaire à faire. Alors, la question c'est est-ce qu'elle est dans le col ou pas? Là, elle est en plein dedans, elle fait suivre la rivière. Alors, c'est Miguel. Ah, ouais, elle va apprendre à voler, elle. Te voilà enfin. Miguel, que fais-tu ici? Je suis venu m'entraîner avec toi, oui. T'as entraîné avec moi? Ouais, je me suis dit que tu ferais un bon partenaire d'entraînement. Comme tu sais à peu près ce que tu fais, il fallait que je trouve quelque chose à faire avant le championnat du monde. Alors j'ai décidé de venir ici et de m'entraîner avec toi à mes heures perdues. Ça ne te dérange pas, hein? Quand je serai là, tu auras une partenaire d'entraînement toi aussi. Ah. Ouais, d'accord. On se dépêche? Mon père va me passer un savon si je rentre tard. Essoufflé, essoufflé, on fait une pause. Waouh, Vidal ne plaisante pas, elle maîtrise parfaitement les bases. Sinon, vous vous entraînez souvent, ton père et toi? Si on s'entraîne, parfait, ouais. Tu sais que mon père est champion du monde. Ces derniers temps, il ne s'est pas du tout occupé de moi. Je suis obligé d'apprendre par moi-même. Waouh, avec le niveau que tu as, j'imagine que tu te donnes à 100%. N'empêche, je ne fais pas le poids face à mon père. Il ne sait même pas que j'ai fait tout le trajet jusqu'ici, ok. Il me couvre beaucoup trop. S'il avait que je fréquente un garçon, il deviendrait ma boule. Ah. Bibibip, type déduqué. Ennemi type. Mais qu'est-ce que c'est? Aucune idée, mais je n'ai pas l'impression que ce truc veut faire connaissance. Donc ce truc est notre ennemi. Non, je n'ai pas l'impression. Et laisse-moi m'occuper du tas de boulons. Ne bouge pas, regarde l'artiste. Hein? Mais il a l'air dangereux. Détends-toi, c'est l'occasion rêvée de voir si je m'entraîne efficacement. Éliminer, éliminer. Bien, je t'attends. Un peu plus tôt. Quoi, Videl a encore fait le mur? Où est-elle allée cette fois? Je regrette, mais elle est partie trop vite. Elle m'a semé. Imbécile, si jamais ce type s'approche d'elle, je lui arrache les membres un par un. Oh, c'est une situation particulièrement délicate. Qui êtes-vous? Je suis Pilaf, l'inventeur de génie. Je crois que je peux régler votre petit problème. Hein? Mais de quoi parlez-vous? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un fan en quête d'autographe? Non, non, non. Je suis dit qu'un père attentionné comme vous avait besoin d'un coup de main. C'est tout. Qui me dit que je peux te faire confiance? Il a peut-être des soupçons, mais c'est tout. La ferme, j'ai enchaîné les échelles ces derniers temps. Je suis complètement à sec. C'est ma chance de me refaire. Ah, la vie au château me manque tellement. Amen. Contemplez cette merveille. Qu'est-ce que c'est? Bah, ceci, mon ami, est le super robot de Pilaf. Ses griffes sont capables de fendre les rochers les plus résistants. Son corps d'acier résiste aux attaques les plus destructives. Il est équipé d'un radar dernier cri capable de retrouver n'importe quoi et n'importe qui. Et ce n'est pas tout. Il est oublié au doigt et à l'œil. Et il rentre toujours chez son propriétaire, ok. Il fait la cuisine, il nettoie, il tombe la pelouse et il est prêt pour le combat. Rien n'est impossible pour lui. Eh ben dis donc, il vous ramènera votre fille et puis lui verra qui compte s'approche d'elle. Wow. Bon, normalement, un robot de cette gamme dépasse le million de zénith, mais je suis prêt à vous le vendre avec une réduction incroyable à durée limitée de 50%, soit à peine 500 000 zénith. Incroyable, à ce prix-là, c'est cadeau. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde devrait en avoir un chez soi. C'est vrai que c'est alléchant. Et j'en ai vraiment besoin. N'est-ce pas? C'est une offre à ne pas rater.
Je serais peut-être intéressé, mais d'abord j'aimerais vérifier quelque chose. Je veux qu'il se débarrasse du type qui tourne autour de ma fille. S'il y parvient, j'en prends des. Ah, bien sûr, vous voulez l'essayer avant de l'acheter, c'est bien normal. Et personne n'a la moindre chance contre ce super robot de pilote. Oui, c'est le plus puissant de nos modèles à ce jour. On a vraiment eu de la chance. Sans parler du fait qu'il est doté d'une option d'autodestruction pour le cas où ça tourne au vinaigre. Ok, bon. Arg, essoufflé, essoufflé. Solide cette machine, mais qu'est-ce que c'est? Éliminé, éliminé. Ça suffit. Sans Gohan, tu n'as pas à m'aider, je peux me débrouiller tout seul. Je ne vais pas la laisser me battre. Je sais, Videl, mais notre entre-moi a épuisé tes forces. Si tu es blessé, ça n'aura servi à rien. Pire encore, tu ne pourras plus participer au championnat du monde. Alors laisse-moi m'occuper de cette machine, je m'en sortirai. D'accord. Cible acquise, élimination. Ok, allez. Il ne faut pas que j'utilise une technique trop voyante et trop puissante devant Videl. Ah, on s'en fout, hein. Je détruis ça. Ouais. Alors, il s'est aidé. Et voilà. Ça devrait faire l'affaire. Waouh. Bip bip. Tu dois éliminer. Hein? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Erreur, autodestruction. Moi, retour, éliminer, retour, pilaf. Il a disparu. J'espère que c'était la chose à faire. Oui, il n'aurait pas fallu laisser ce truc semer le chaos dans la région. Mais assez parlé de ça, Son Gohan, d'où sort cette puissance? Ah, non, j'ai eu de la chance, c'est tout. Le hasard m'a aidé à... Ouais, comme si j'allais te croire. Bon, comment tu as fait ça? Je veux que tu m'expliques. Non, mais vraiment, j'ai eu un gros coup de bol. Oh, j'allais oublier, j'ai un truc urgent à faire, je dois filer. Ah... Très bien, comme tu m'as défendu, je te laisse tranquille pour cette fois. Mais je te harcèlerai jusqu'à ce que je découvre le secret de ta force. Ah, je suis mal. Enfin, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui semble surpasser mon père. Quoi? Non, rien. Bon, Sangohan, t'as été assez blessé. Alors, le dernier signal détecté provient d'ici, à peu près. Vous ne pourriez pas vous débrouiller sans moi, pourquoi faut-il que je me déplace? Vous ne voulez pas avoir si la machine est cassée, si on ne la répare pas, l'argent qu'on nous a promis nous passera sous le nez. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? C'est moi qui ai créé cette machine. Si elle n'est pas rentrée, c'est que elle a dû se perdre. Une machine, ça peut se perdre? Là, le robot de pilote. Vous voyez? Bip bip. Éliminé type. Ah ah, on dirait qu'il a éliminé sa cible. Vous vous inquiétez pour rien. Tous les deux, vous savez, je l'avais bien dit, non? Regardez, il a subi de gros dégâts, on dirait. Hein? Ce type devrait être balèze. Enfin, on s'en fiche. Allez, on rentre. Dès qu'on aura annoncé la bonne nouvelle, on sera... cousu d'or. Bah, éliminer, cible manquée, erreur, autodestruction, pilaf, retour, lancement, autodestruction. Vous avez entendu? Je le sens mal. Il a dû subir un choc trop rude. Il est peut-être cassé. Et en prenant pilaf, le robot vide. Type détecté. Autodestruction, 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 enclenché. Ah, il va exploser. Adieu. Empereur Pilaf, nous avons encore échoué. La ferme. Yeah, yeah. Hi. C'est moi. Oh, Videl, tu es rentré?
qu'est-ce qui te prend de rentrer aussi tard? Tard, papa, le soleil n'est même pas couché. Mais toi, qu'est-ce que tu faisais? Ce que je faisais? Tu sais quoi? Ce n'est pas important. Moi, je suis content de te voir. Peu importe, j'ai faim. On mange quelque chose? Excellente idée. Je te demande au cuisinier de nous préparer un repas du tonnerre. Enfin de retour, je suis claqué. Grosse journée. Le robot de tout à l'heure m'inquiète encore un peu. Ce truc pourrait être dangereux. J'ai intérêt à faire gaffe de ne pas croiser son créateur. Oui, maintenant, est-ce que j'ai tout nettoyé? Il me semble que j'ai nettoyé. Donc on a fini. On va juste voir l'entraînement. Il n'y a toujours pas un niveau assez fort pour pouvoir détruire les malfaisants. Et en plus, il est tout seul maintenant. Ah là, il y a plein. J'aimerais aller au truc d'entraînement. Il est où? Il est là. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire? Niveau 65, super caméra et 75. Là, c'est pas encore. Hein. Mais en tout cas, il y en a. Ok. Et il n'y en avait que 5. Ouais, mais pourquoi il y a une barre pour descendre si on ne peut pas descendre? Voilà, en fait, non, il y en avait 7 de fait. Et maintenant, il y en a de nouveaux qui sont pas encore accessibles. Ok. Ok. Et dans... si, c'est ça, dans ses maîtrises, il est à jour. Depuis les nouveaux trucs. Et ça, c'était pas débloqué. Non. Et ça. Oh, pourquoi il me bouge à chaque fois? Il y a beaucoup de choses qui restent bloquées quoi là-dedans. Pourtant, on est déjà loin dans le jeu là. Ok, ça c'est bon. Alors, hop. Hop là, on a presque fini notre mission. Bah voilà, on va continuer l'histoire vu qu'on n'a rien d'autre à faire. なんであんなところに突っ立っているんだろう。どうしたんですか？あの、あなたは。あ、僕ですよ。ご飯です。え、ご飯さん、なんですか？どうしてまたそんな格好を。いろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。 ま、正義の味方さんですか。ところでランチさんはここで何を？あ、そうでした。今困っていることがあって、それでブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、ちょうど出かけているみたいで、戻ってくるのを待とうかどうしようかと考えていたところなんです。 そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。それは助かります。でも
いいんですか？ええ、構いませんよ。僕もブルマさんに用があったんですけど、不在みたいですし。さあ、この正義の味方、グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよ。まあ、頼もしい。ちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんです。え？実は私、修行の旅に出られた天津飯さんから畑のお世話を頼まれてたんですが、その畑から化け物が出てきて畑の近くの村を襲い始めちゃったんです。そりゃ大変だ。僕はその化け物を倒せばいいんですね。はい、お願いします。村の場所はここです。わかりました、すぐに向かいます。ランチさんは危ないからここで待っててください。そうですね、私はここで。それじゃ行ってきます。アクション！天津王さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったんだな。Ok, on est toujours dans la même partie, on a été. Alors, c'est près de la maison. そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだっけ？置いてきちゃったけど。大丈夫かな。あら、ラスが固定するの。ああ、OK。大したことなさそうだな。この辺りだな。化け物がまた来たぞ！助けて！化け物め、どこだ？出て！やつは確か土に植えた種から出てくる化け物だ。間違いない。出て！よくも村を襲ってくれたな、化け物ども！出て！僕は絶対許せない。正義の味方、グレートサイヤマン参上。決まった。出て！
これで全部倒したな。ありがとうございます。なんとお礼を言っていいか。ははは、当然のことをしたまでですよ。バケモンはどこだ。ランチさん、化け物なら僕が全部やっつけちゃいましたけど。何？遅かったか。俺も奴らをぶちのめしてやろうと思ったのによ。そんな危ないですよ。昔ヤムチャさんだってあいつにやられたことがあったんですから。ヘクシュ。ち、しょうがね。とりあえず迷惑かけちまったみてえだな。僕は大丈夫ですけど、襲われた村には被害が出てると思います。ええ、あの化け物が村の食料庫や店を壊してしまって。あ、そういえばあの化け物を倒した時野菜を手に入れたんですが。そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。ちょっと待っててくれ。あ、アクション。あら、ここはどこかしら。ランチさん。まあ、おいしそうなお野菜ですわね。よろしかったらそのお野菜で皆さんにお食事を作らせていただきたいんですけど、いかがでしょうか。そりゃ助かるよ。私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしね。それでは天津飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますね。ご飯さんも手伝ってもらえますか。ええ、もちろんです。あと僕はご飯ではなくグレートサイヤマンです。あら、そうでしたわね。いやー、あんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよ、ランチさん。本当に美味しいです。そこまで喜んでいただけるなんて。天津飯さんの美味しいお野菜で作ったお料理をみんなに食べてもらうお店、素敵かもしれませんね。はい、いいと思います。もう一人の私と相談してみようかしら。それはまた今度で。僕そろそろ行きますね。ええ、いろいろとありがとうございました、グレートサイヤマンさん。そろそろブルマさんも戻ってきてるかな。カプセルコーポレーションに行ってみよう。Bon, je ne peux plus que tu le trouves. Ah, c'est changé. Ils ont mis deux fois. Alors j'ai loupé une case. Donc on a fini en fait pour cette session. On reprendra la prochaine fois l'histoire avec le temps Bulma. Voilà, à bientôt les amis.